Mac Sushi. Eh bien, mesdames et messieurs, salut à toutes et à tous, c'est Midonk, et bienvenue aujourd'hui pour ce 11e épisode sur Terraria en compagnie de JCVD, qui est toujours aussi présent et qui entre-temps a remis ses lunettes, tellement il était décontracté devant Cthulhu. Voilà. Alors comme promis, j'ai farmé un petit peu l'œil de Cthulhu, j'en ai fait 3 ou 4 supplémentaires, voilà. Et ce qui nous a permis de collecter quelque chose comme environ une septantaine de lingots. Oui voilà, donc 87 lingots ici, paf. Ce qui doit être amplement suffisant pour créer tout ce dont nous avons besoin en matière de démonite. Alors je me suis un petit peu renseigné auprès du guide et il va nous falloir autre chose pour créer les objets qu'il nous faut, c'est-à-dire une armure et également une pioche démoniaque, enfin, ou une pioche en démonite en gros. Et cet objet, ce sont les écailles sombres. Les écailles sombres qui ne se droppent que, je vous le donne en mille, sur notre boss suivant que nous allons faire aujourd'hui. Enfin bon. Nous allons nous faire un fléau de lumière parce que y'a que ça n'aurait. Il n'y a pas d'attribut, c'est pas bien grave, ma foi. Tu vas me manquer. Enfin. Donc, nous avons fait notre petit fléau de lumière. Je vous propose de le tester tout de suite. Ah oui, complètement présent cette épée. Tout à fait correct. Alors, on va ranger un petit peu tout ça. Ça va rester ici. Oui. Ça on va ranger. On passe de 13 à 17 quand même, mais on a ouais. On a quand même un petit peu moins de vitesse, c'est pas grave, écoutez. On fera avec, on va prendre de quoi nourrir notre coco ici, c'est-à-dire ceci. De la nourriture pour verre. Ce qu'on va faire ensuite, c'est aller prendre notre lit. Et de quoi faire une petite construction de l'autre côté, c'est-à-dire du bois, en suffisant, s'il vous plaît. Et notre marteau, voilà. Bon, petit début d'épisode sympathique, hein, j'y sais qu'il s'est bien défoulé ces derniers épisodes, enfin ce dernier épisode en tout cas. Et pendant le farm, du coup, ça ira un peu mieux. Alors, notre prochain boss, comme vous pouvez le voir, c'est un ver, mais pas n'importe quel ver. Je vous laisse un petit peu la surprise du nom, si vous le connaissez, bah, mais pour vous, écoutez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris ma hache, punaise, c'est pas possible. Un jour, j'ai oublié ma tête dans ce coffre, c'est pas grave. Hop! Voilà, ça va quand même beaucoup plus vite avec les bottes d'Hermès, hein, c'est la gratuité. Alors, on va prendre également quelques petites torche pour l'aspect pratique, la pioche au cas où, on en aura bientôt plus besoin de cette pioche minuscule, il faut que je tombe dans le trou évidemment, j'essaie, fais attention où tu marches voyons, possible, une hache qui est ici, et on va couper quelques arbres, genre ces trois là, ça devrait suffire, les torches au passage, écoutez. C'est plus les zombies qui nous font peur, n'est-ce pas? Et les slimes d'ailleurs. T'espères quoi toi? T'espères quoi? Viens goûter. Ah non, c'est pas la bonne arme. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes partis pour la safe house. Qui sera évidemment l'endroit où nous allons faire notre combat d'aujourd'hui. Écoutez, il n'y a pas de question de soir ou matin parce que Cthulhu ne peut être combattu que
durant la nuit. C'est pour ça qu'il faut un peu se dépêcher quelque part et que notre temps est limité. Mais sinon, notre verre ici présent, enfin bientôt présent, lui est accessible à n'importe quel moment de la journée, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, on va bien s'en rendre compte assez vite. Je vais dégager tout ça pour... Parce que, vous voyez, c'est un endroit un peu en hauteur, que j'ai déjà éclairé auparavant, qui est assez pratique, ma foi. Oh là là, mais cette épée, s'il vous plaît. Oh, c'est magnifique. Hop. Donc voilà, on va faire notre maison. J'allais dire notre marron, pourquoi, je ne sais pas. Mais bref, j'ai oublié le lit. Je ferai une petite ellipse, c'est pas grave. Il faut juste construire une petite maison en bois. Ce que nous allons faire de suite ici. Oui, on va le faire ici, écoutez. On n'a pas besoin d'énormément de place, bizarrement, pour ce verre. Voilà. Je pourrais faire ça en plateforme aussi, remarque. Oui, on va faire ça en plateforme, écoutez. Et je vais mettre ici la fin. Voilà. Alors, des plateformes. Est-ce que j'ai encore ça sur moi? Non. Il va falloir en fabriquer. Évidemment, elles sont tout en haut. Les pépép, ici. Je ne sais pas si j'en aurai assez pour le coup. Notre hache. Voilà. Non, ça c'est le marteau. Bah alors, j'ai paumé la hache. Non, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est sage, elle m'attend. Pourquoi je ne peux pas te prendre? Ah bah voilà que le jeu a planté, tiens. Non, tout va bien. 1, 2, 1, 2. Ok, d'accord. Je ne pouvais pas placer cette hache. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai appris récemment qu'on pouvait faire un toit en... en plateforme, voilà. Ce qui sera relativement pratique pour retourner au combat en cas de mort inopinée. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un établi. On va le laisser bien sagement ici. On va faire une série de murs. Parce que oui, il faut murer l'endroit si on veut pouvoir placer un lit et set le spawn. Et comme nous voulons bien faire les choses, nous allons aussi éclairer. Enfin, ça c'est déjà fait. Donc, petite ellipse et on se retrouve de toute façon tout de suite. Et bien nous revoilà au camp de base, mesdames et messieurs, avec notre lit. On sent les portants du mal aussi. Décidément, on va creuser un petit peu pour que je puisse passer, parce que sinon ça risque d'être relativement problématique. Cette torche ne servait de toute façon à rien. Oh, ce racisme envers les torches. Enfin, nous allons placer notre lit ici. Il n'y a pas cette place. Ah, voilà, notre spawn est 7. On va replacer cette torche qui est passée où ici. Voilà. Je vous propose de dégager un peu le terrain de tous ces dévoreurs qui vont nous boucher le passage. Allez Coco. Elle est un peu courte, hein, j'ai l'impression. Par contre elle frappe. C'est ce qu'il nous faut. Écoutez, mesdames et messieurs. Je vais pas me plaindre. Je vais retirer ce bloc parce qu'il m'embête. Allez mon Coco. Voilà. Et sans plus attendre, mesdames et messieurs, sans suspense, comme la dernière fois, parce que vous avez attendu tellement longtemps, nous allons invoquer notre prochain boss, dont je cache toujours le nom, parce que vous voyez, il y a des règles et tout. C'est tout à fait faux.
On va prendre de quoi l'invoquer. Voilà, on va mettre ça à sa place. Et ma foi, prier pour que ça passe. Oui, je pense que c'est une bonne chose. On va attendre que les trois derniers PV, voilà, se mettent. Et mesdames et messieurs, je vous présente, sans plus attendre, le dévoreur de monde. Wouhouhouhou, le gros vert. Bonjour monsieur. D'accord. Alors lui, il faut le prendre dans le flanc. Voilà, il va nous passer dessus. Et ce, à plusieurs reprises. Voilà, voilà, voilà. Et le truc, c'est de le laisser passer, d'essayer d'être en dehors, parce que sa courbe, c'est assez... comment dire ? Handicapant de se la prendre. Voilà, il passe de l'autre côté, c'est parfait. Comme ça, nous, on peut le tabasser à l'infini. Comme un malpropre. 1-1, ça, c'est pas bon, ça. Remarquez, tant que ça passe... regardez-moi ça. Allez, mon ami, il revient par ici. Hop ! On essayait de le prendre dans le sens du poil, n'est-ce pas? Ah, par contre... Ouais, mesdames et messieurs, normalement ça devrait passer. Je vais déjà prendre une potion, comme ça on est sûr de s'en sortir. Hein. Comment est-ce qu'il va arriver? Comme ça, il me prend toujours comme ça. Il n'a pas encore compris que c'était pas la bonne tactique. Je sais pas trop. Mais là, ce n'est qu'une première difficulté, mesdames et messieurs. Car le dévoreur de monde, qui va pas dévorer grand-chose d'ailleurs... Aïe. Eh bien, vous allez voir, à partir d'un certain moment, devient un petit peu plus casse-pied. Oui, encore. Raté. Aïe. Ah, voilà, voilà, voilà. Mesdames et messieurs, c'est ici que les Romains s'empoignent. Car nous avons maintenant deux dévoreurs de monde. Enfin, un dévoreur de monde et un morceau, quoi. Bonjour. Un morceau plus petit d'ailleurs. Mais qui a l'air sympathique ma foi. Je vais les attendre. Hop là, raté. Bon, et le gros morceau, il est parti où là? Ah, il est là, il est là. Aïe 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 aïe. On reprend une petite potion. Et voilà, là on y va mesdames et messieurs. Parce que quand il nous fonce dedans comme ça, il a pas encore compris qu'il allait bientôt crever. Par contre oui, hein, ça commence à faire mal quand il commence à être une bonne dizaine, n'est-ce pas? Enfin, ils sont pas une dizaine, mais pas loin. Aïe. Crève, 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 crève. Ouf, j'allais bientôt tomber. C'est pas une bonne idée ça. Aïe, 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 voilà. Et le combat s'achève quand, eh bien, il n'y a plus aucun dévoreur. Voilà, et c'est un peu du rentre-dedans à partir d'un moment. Ben voilà, il y a des têtes qui volent, c'est normal, vous en faites pas. Non, non, waouh, 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 waouh. J'y sais qui se fait prendre, mais alors là, mais dans tous les sens, mesdames et messieurs. Alors lui, on va l'achever. Terminé, terminé, terminé pour toi. Game over, monsieur. Je sais pas s'il y a une faiblesse à la tête à partir du moment où on le décapite, il est plus faible ou que sais-je. Mais comme vous voyez, il est un petit peu plus... comment dire... moins efficace quand on le décapite. Ça, vous allez me dire, c'est un peu comme pour tout. Voilà, on donne 2-3 coups, c'est toujours ça de gratuit, hein, ma foi. Il est un peu moins facile que Cthulhu quand même, hein. J'ai dû me prendre quelques potions. Bon, ils vont réussir à venir ou pas? Aïe, 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 aïe. On va les attendre ici. Ouh là 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 là, lui je l'ai vu arriver mais un petit peu tard. Allez, mesdames et messieurs, les téléspectateurs s'impatientent un petit peu de savoir ce qu'il va se passer. Une petite pause en plein milieu, hein. je regarde un peu ce qu'on donne. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu perds la tête? Oh.
Tiens, tiens. Non, 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 tu meurs. Alors toi, mon vieux. Non, t'es pas trop loin. Je t'aurais bien pris en plein vol, mais. Voilà. Bam. Voilà. Et le dévoreur de monde a été vaincu. Et voilà. GGJC. GGGGGG. Alors, qu'est-ce qu'on a récolté? Eh bien voilà, mesdames et messieurs, on a récolté ce dont nous avions besoin. Non seulement on a récolté des écailles sombres, mais on a récolté deux stacks monumentaux d'écailles de barres de démonite. Je ne savais pas que le ver, donc le dévoreur de monde, donnait beaucoup plus que l'œil de Cthulhu. Je l'aurais fait beaucoup plus tôt sinon. Enfin bref. On va recasser ce lit puisqu'il nous aurait été d'aucune utilité de toute façon. Hop. Pourquoi je range le marteau alors que j'en ai besoin? Minonc. Allez, lycée. Un grand coup de marteau sur le lit. Ça ne peut pas faire de mal. Ça, c'est fait, mesdames et messieurs. Et je vous propose de retourner pour un petit débrief à la case départ, c'est-à-dire au QG, n'est-ce pas? Et pour nous forger, si possible, normalement c'est largement possible avec ce que je viens de drop sur le dévoreur de monde, de se forger l'armure tant convoitée de démonite. L'armure démoniaque, enfin bref, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va l'appeler. J'ai cette idée qui va être tellement stylé là-dedans. Ou pas, je ne sais pas, hein, après tout, faudrait lui faire essayer. Alors, on peut faire des brides de l'ammonite à l'infini, mesdames et messieurs. Profitons-en, profitons-en. Voilà, 37. Bam, ça c'est fait. Alors, première chose, nous allons faire la pioche cauchemardesque. Alors, 9 de dégâts, c'est pas ce qui nous intéresse. 4% de coup critique, c'est pas ce qui nous intéresse non plus. La vitesse non plus. Ce qui va nous intéresser, c'est les 65% de puissance de pioche. Là, ça va nous changer notre petite pioche en cuivre dégueulasse quand même. Et surtout, elle va nous permettre d'extraire de la pierre de lave. De la pierre des enfers. Et là, mesdames et messieurs, je ne sais pas si on va descendre tout de suite aux enfers. Non, parce qu'on va se faire atomiser la tronche en moins de 2 et j'ai pas envie que mon JC subisse ça. Donc, je prévois, d'ores et déjà, dans les épisodes suivants, d'aller dans la jungle, d'éventuellement trouver une mine de la jungle et d'essayer de faire, de trouver d'une part des nouveaux armements et d'autre part d'essayer de se faire l'armure de la jungle. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut, sauf peut-être une émeraude, je ne suis pas sûr. Enfin, ça on peut vérifier après. On va nous faire les jambières de l'ombre, qui donnent de la vitesse de mêlée. Voilà, voilà. Nous allons nous faire le casque de l'ombre, qui nous donne encore de la vitesse de mêlée. Tant vous dire que ça va swinguer, n'est-ce pas? Voilà. Et nous allons prendre tout le reste, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a trop. Avec tous les yeux de Cthulhu que j'ai éclatés, j'en ai bien fait 3 ou 4 en off. Enfin voilà quoi, il y avait clairement de quoi. Et pardon? Bah le plastron. Monsieur, je suis pas d'accord là. Oh non, mais ils sont sérieux. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, je pense que nous allons devoir recombattre ce ver. Mais ce sera certainement lors du prochain épisode, juste avant de se lancer vers la jungle, bien évidemment. Et nous nous ferons la dernière pièce de l'armure de démonite pour eh bien la compléter, finalement. Voilà, je vais vous dire, salut à toutes et à tous, c'était Midonk et JCVD sur Terraria pour un combat épique contre le dévoreur de monde qui a rien bouffé du tout, à part peut-être un petit peu de morceaux de fesses de JC. Ah oui, JC. Non, t'as rien bouffé, bon d'accord. Enfin, je vais vous dire salut à toutes et à tous, c'était Midonk et à la prochaine.
See you next time.